Alors. Direct provocateur. Cache. Il y a des dragons sur Hearthstone. Ah ouais, dans ma game en plus, regarde, dragon. Bam. Cache. Direct. Est-ce qu'on prend Dame Vache ou est-ce qu'on prend Bekovan? Bekovan, c'est plus fort quand même. Ouais, puis Dame Vache, un coup, est-ce que je m'embrouille? Le héros, il est trop technique. Ça sert à rien que je m'acharne dessus. En plus, il y a les buddies qui vont sortir semaine prochaine. Donc on peut même pas dire que je la joue pour le gameplay. Regarde, boum, dragon. T'as de la chance, je vais prendre le naga. C'est vraiment pour pas vous traumatiser, quoi. C'est marrant, on parlait de vous. Je venais justement de demander à mon chat comment ça s'était passé la game. On m'a parlé d'un certain... J'ai joué moi en plus Aurélion Sol sur TFT, c'était fort en saison 1. Tu le mettais dans un coin de ton board et pouh, il soufflait sur tout le monde. On y retourne. En piste, tout le monde. J'imagine que c'est ce qu'il a fait avec notre équipe LFL. Par contre, dragon, c'est pas vraiment OP non, sur Hearthstone. On peut pas vraiment dire que ce soit OP, non. Sur là, dans cette game, c'est soit un mec va réussir à déclencher Pirate APM et va gagner avec ça, ou alors Naga. Peut-être LM si un mec chope un setup godlike LM, mais dragon et démon, j'ai du mal à les voir s'imposer dans ce lobby. Hein. En fait, ça va être un lobby de stats. Vu qu'il n'y a pas Murloc. Serez-vous à la hauteur des épreuves qui vous... Oula, Laxative Joe, il lance des débats dans le chat. Il veut vraiment que tout le monde parte. Ouais, s'il y avait eu Murloc, j'aurais pu partir sur un mur dragon. Mais bon, je viens de vous dire que dragon c'était nul. C'est pas pour commencer à partir dessus, on va gentiment faire un level up, accepter que ce... En vrai, fais un rush 3 avec... Allez. Allez, Serette, un petit rush 3 là. Je te fais coucou depuis le fond du tableau. Allez. Allez, suis-moi là. En vrai, sortie Naga, ça rush 3. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? T'as encore un joueur qui sait pas jouer. Et bonsoir, beau sphincter. Ah ouais, je me fais péter la... Oh, mais en plus, pour cette vieille sortie toute nulle, là, il a pas level up. Bon, après, vous me direz, il avait peut-être déjà un mini-myrmidon. S'il avait un mini-myrmidon et qu'il a acheté ça plus l'autre, c'était correct. Par contre, s'il avait ça et qu'il a acheté deux mini-myrmidons... Oh, pas mal. Oh oui, non, là, c'est solide, là. On a pas touché le meilleur truc, c'est pas très grave. En vrai, moi je suis team, on veut refaire la découverte le plus vite possible. Donc là, je vais prendre Marche de l'Ouest pour aller filer +2/+2 à lui. Ma question c'est, est-ce qu'on veut prendre une parieuse 4-4? Ça peut être bien pour plus tard. Ah, on a moyen de choper plus de tempo que ça. Ah, Marche de l'Ouest sur Dragon de Bronze, je pense que c'est pas dégueu. Bam, 100%.
Bon, je suis clairement déçu de cette évolution. Meilleure et pire tribu de BG, c'est difficile à dire en vrai. Parce que d'une game à l'autre, tu peux... Oh, par contre, ça... Ça, c'est une vraie sortie de boss, hein. Ça, je peux vous le dire. Est-ce qu'on a envie de freeze un de ces trucs-là? Alors, par exemple, lui, il est pas horrible. Alors je veux vraiment une créa de tempo parce que mon objectif c'est de faire level up puis re-level up pour avoir ensuite un taverne 5 sur la découverte. Élémentaire meilleur dans mon cœur. Élémentaire c'est vraiment la compo de noob. Hein. Il y a un héros sur LoL, c'est vraiment le héros des noobs. Genre un héros qui est hyper pique à bas elo et puis quand tu montes dans le ladder, bon en fait c'est pas fou. Non, je peux pas dire ça parce qu'en vrai, LM, même à bon niveau, c'est pas horrible. Garen, bon, vous avez l'air assez d'accord. Hein. Bah, Garen, c'est vraiment LM, quoi. Il y a Yi aussi, apparemment. Mais, ah, c'est pas nul, mais... Disons que depuis le dernier patch, c'est pas nul. Mais depuis la nuit des temps, les gens jouent sur... On va pas se mentir, le chat. Les gens jouent surtout élémentaire parce que... Les gens jouaient surtout élémentaire parce qu'il y avait Nomi et que c'est facile à jouer. Pas parce que c'était fort. C'est pas Uliash qui est main Garen. Il a pas joué Teemo hier? Oh là là! Ça, c'est le tempo qu'on voulait voir, ça. On a des paires, on a tout ce qu'il faut. Bon, par contre, je suis en train de jouer dragon. Mais le truc, c'est que c'est ça, BG aussi. C'est un jeu d'adaptation. Même avec la tribe, qui peut être considérée comme la moins bonne du jeu, si t'as une bonne sortie pour quelque chose qu'on te propose des bonnes cartes de tempo, bah, faut partir dessus. J'ai jamais joué à LoL, donc je peux pas vous faire une comparaison, mais j'imagine qu'il faut s'adapter aussi. Prochain tour, ça va faire un grand level up. Sur LoL, t'insultes juste les mates. Moi, c'est pas mal aussi. Faut s'adapter, Banoré Lion Sol. Oh, arrêtez. On a l'impression que vous êtes match là. Ah mais c'est lui qui a pas voulu suivre mon level up tout à l'heure. Et là il a une taverne de retard par rapport à moi. Et il vient malgré tout de se prendre une giga baffe dans sa gueule. Allez hop. C'est exceptionnel. Ah par contre du coup... C'est délicat d'aller le chercher tout de suite. Parce que je me retrouve du coup dans un setup où je donne pas de bouclier divin. En fait, si je le trip, sachant qu'ils se donnent bouclier divin à l'un l'autre, si je le trip maintenant, il y aura personne à qui donner bouclier divin. Et en plus, je perds des serviteurs ici. Donc je pense qu'en vrai, même si ça me coûte un peu d'écho de perdre ici un rôle et de freeze, en termes de points de vie, je suis un peu obligé de... Sauf si... Mais même si je chope un dragon, je perds quand même un shield, quoi. Puis bon, j'ai pas forcément envie de choper un... J'aimerais bien que ma win condition soit pas un dragon, quoi, ici.
Donc je perds un shield garanti, probablement deux shields, et en plus je perds du board. Ça me semble pas être une bonne opération. Hein. Oh bon, en l'occurrence, lui, il était vraiment faible. Kalegos a l'air pas mal. Ouais, mais c'est ça le piège avec Kalegos. C'est que tout le temps, il a l'air pas mal et il te déçoit. Cyborg trop fort là. En tempo, il apporte trop. Je vous jure que j'ai juste envie de level up là. C'est un peu moche. Après, si l'objectif c'est de level up. Ouais, je vais comme ça, on se dit full tempo et... Je vais reprendre ça, comme ça on reprendra vite la découverte derrière. Je sais toujours pas trop ce qu'on va jouer par contre. Hein. Ah, la tristesse de lui qui donne aucun shield, après je suis tellement fort. Après il donne quand même des plus 2, mais bon, tu prends pas lui pour qu'il donne des plus 2 quoi, tu le prends pour qu'il donne des shields. Ouais... Ah mais c'est... Et encore il a de la chance hein, il s'est pas pris son moins 15, qui était normalement prévu dans ce fight. Maintenant il faut trouver notre win condition, on est très bien en tempo, il y a déjà quasiment des morts. J'ai juste pas de win condition quoi. En vrai, le mecha Jaraxxus, il peut être tentant. Le Magma Lock, trop tard, je pense. Le Taunt pour ça, ouais, mais bon. Oh! Ah, j'aurais bien tenté le... J'aurais bien pris lui, mais... Trop important d'aller remplir notre bord de dragon, là. Ok... Il avait quoi le dernier adversaire? Il avait des LM dégueulasses dont j'ai pas envie. Nye. En vrai Nadina hein. On a toujours lui qui se balade, on sait pas trop ce qu'il fout là.
Hop, c'est moins 15 encore. Bon, lui, il va être chiant. Bah, lui, il a gagné cette game, en fait, tout simplement. Hein. On l'a battu maintenant. L'objectif, c'est de faire top 2 derrière lui. Ah là, de toute façon, on est giga commit pour jouer dragon. Hein. J'ai plus vraiment d'autre choix que de jouer dragon. C'est parti pour les trouver. Une boule. Le truc, c'est que juste avoir des shields, c'est cool, quoi. Enfin, juste avoir des dragons parce que ça va prendre des shields, c'est cool. Peut-être que lui est mieux que la boule au final. Parce que la boule, je vais en faire quoi en vrai? S'en fout de la boule. Au pire, c'est un plus 6, plus 6. Ça pour donner shield à l'autre. La mantide aussi, c'est pas horrible. Ah mais... Est-ce que la mantide m'intéresse tant que ça? En vrai, ouais, c'est pas dégueu. Je rentre ça pour avoir un type de serviteur en plus, je rentre la mantide. Théotard pas si mauvais, c'est un peu tard pour vouloir jouer avec Théotard, je pense. Hop, hop. On va avancer un peu la Nadina aussi. Yo! Alors attends, je vais te couper. Je vais couper la musique. Bah j'ai encore comme la dernière fois en fait le grésillement, je sais pas si tu. C'était ici. Ok. Headphone one. Je me souviens de ces gens. Là dans tes oreilles, t'as encore du son ou pas? Ouais, j'ai le son du jeu là. Ouais, J'ai t'as juste coupé mon son de retour quoi. Normalement, attends, je vais vérifier que j'ai bien la musique. Je vais la remettre. Ouais, j'ai la musique. Ok. J'ai juste coupé le son du retour. Parce que je sais que la dernière fois, je sais pas si c'est toi qui avais fixe, mais on avait le retour et sans le grésillement. De couper le micro. Attends. Il est où le micro? Mic. Bah là de toute façon j'ai plus mon... Tu veux qu'on essaye de me remettre Non, il le... faut que tu mettes reclick dessus. Là-dessus? Ouais, et tu mets custom mix. Ouais là j'entends même très fort Le grésillement? là. Ouais, je crois que c'est encore pire qu'avant. Ah Enfin, ouais. ouais, plus ou moins pareil en fait. Ah. J'arrive. Hop. Ah oui. Ah, tu penses que ça peut merdouiller du coup? Ok. Et non, Maxolcorm, mon problème c'est pas de scale hein, moi. Là en fait dans cette game, clairement je cherche même pas vraiment à scale hein. Je sais que lui il a déclenché Pirate APM, il est donc invincible pour moi. Je peux. En fait il n'y a pas de scaling meilleur que un mec qui a déjà ses deux lardeurs dont un doré grâce à Greta. Dans tous les cas je sais qu'au mieux je fais deuxième derrière lui. Et donc je veux vraiment juste jouer le plus tempo possible pour m'en sortir quoi. C'est vraiment mon seul objectif là, c'est de me dire faut que je joue méga tempo
pour essayer de m'en sortir. Alors, en l'occurrence, lui a réussi à battre ça. Alors ça, c'est incroyable, mais ça, du coup, ça peut vouloir dire les problèmes, quoi. Faudrait peut-être chercher à prendre une toxi. Bah écoute, on va voir si on peut trouver une meilleure sorcellerie que ça quand même. Ah, mais ça, en l'occurrence, ça a pas marché. Le Leroy, j'ai pas deux slots. Il y avait des sorcelleries chez celui que je viens de sortir? Ouais, il y en avait une, mais. Ah non, il y en avait deux. En vrai, ça se tente. Ouais, mais ça, c'est dommage parce que. Ça marche pas en fait. Il peut y avoir une sorcellerie là-dedans. Shit. Il faut la sorcellerie là, hein. Sinon, je suis un peu dans la merde. Je suis dans la merde du coup. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas cool du tout. Parce qu'en fait, ceci ne donne pas sorcellerie en l'occurrence. Ok, je vais. Prends, vouloir freeze ça. Oh, quelle angoisse. Bon, ça donne un adapt pour ça, mais. C'est pas très fort. Et ouais, on est favorable contre un mec qui a battu Pirate APM juste parce que j'ai all-in tempo en fait. Je me suis pas vraiment soucié de me dire long terme qu'est-ce qu'on fait. Je pense pas qu'on puisse battre Pirate APM, surtout que contre moi il va probablement chercher à jouer une ghoul. Alors non, mais est-ce que j'ai mon. Ouais, oui. Non, non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. J'ai pas le grésillement là. Ça a bien fixe. Alors, comment on va faire ça? L'angoisse. De cette game. Ah oui, puis en plus ça a pas. Oh, est-ce qu'on triple ça? Ah mais je vends quoi pour faire ça? Je vendrais ça et on essaye la deuxième mantide dessus. Je pense que j'ai pas vraiment le choix. Ça, je m'en fiche un peu. On va essayer d'avoir un truc dessus, j'imagine. Est-ce que je pourrais pas tenter Zap? Zap pour peut-être me faire un baron ou un truc comme ça et puis tenter de me le faire. Ouais, je pense qu'il faut tenter un truc du style de toute façon. Écoutez, tentons, hein. Tentons un truc comme ça, même si je suis vraiment pas convaincu de ce que ça va donner. Je pense vraiment que malheureusement il va être trop strong, quoi. Ouais, c'était ce qui me faisait peur. Et encore, je pensais qu'il serait encore plus gros que ça, vous voyez. Je pensais vraiment qu'il serait encore plus big. Au final, il est big, hein, mais. Ah, je m'attendais vraiment à pire. Après, il est big et il est surtout compliqué à rattraper, là. Alors, lui, clairement, je pense pas qu'il fasse des décos reco, hein, parce que. Il est pas si gros que ça pour un pirate APM. Attendez, j'ai ça qui. Hop. Comment on pourrait. Il faudrait plus de toxi pour essayer de me le faire. Le problème, c'est qu'il va rentrer un. Il va probablement rentrer un. Ok, ça c'est pas dégueu. On va pouvoir virer un comme ça. Ou alors virer la Nadina. Ça c'était nul. Peut-être virer la Nadina en vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas Murloc pour faire des murs dragons enfin, Toxi Shield avec Nadina. Mais bon, c'est la vie.
Oh, une autre mantide. Oh, et ça aussi. Oh, attendez, on va virer. Bah écoutez, je peux difficilement faire mieux de toute façon. Si ça suffit pas, bah ouais, c'est juste parce que. Après, il est plus vraiment pirate APM. Oh! Oh, c'est incroyable si on fait top 1 là-dessus. Oh non, le hit trop nul! Oh, c'était un peu troll ça. Après. Là, en vrai, ça doit le faire là, non? Ça va un peu dépendre comment vont se mettre ces. Ouais, non, ça le fait forcément. Ouais, oh, let's go. Oh, on a été chaud là. Là, on a été chaud là. Bon, il a dû. Je sais pas, il a dû. Je comprends pas comment il a réussi à. Il a dû vendre à un moment un de ses larders. Ou alors. Ou alors, il y a un monde où il a fait une dingue. Et ça peut arriver. C'est qu'en fait, parfois ce que vous faites, c'est que. Je sais que. Alors, ça m'a. Ouais, mon avis, il a triplé son larder sans faire exprès. Ça peut arriver si vous avez votre larder sur le board, plus le larder doré, mais qui a été rendu avec Greta, et que vous gardez un larder dans la main, sans faire attention, et du coup, à la fin du tour, en fait, vous vous retrouvez à tripler. Enfin, au début du tour d'après, vous vous retrouverez à tripler le larder, et du coup, Greta ne peut plus rien cibler.